Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur Dieu d'abord, Dieu en premier. Cette semaine, nous allons découvrir une autre veuve. Une veuve qui a décidé de donner une petite somme. Une petite somme, c'est pas beaucoup, mais qui a eu beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Et nous allons discuter avec Carole et Cassandra, et Carole nous fera la prière. On incline la tête. Père éternel, merci pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir échanger autour de ta parole, que tu puisses guider ces débats, que ton Esprit Saint puisse nous inspirer et permet que tous ceux qui ont à entendre ce programme, que cela puisse leur faire du bien et surtout nous permettre d'avancer avec toi. Nous te remercions, au nom de Jésus et plein gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Alors, cette semaine, le passage est tiré du livre de Marc. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Au chapitre 12, versets 41 et 44. Je vais lire. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. » Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc là, on découvre une veuve. Et une veuve, la semaine dernière, Cassandra nous expliquait qu'est-ce qu'était une veuve au niveau de la société, déjà une femme, veuve en plus, et qui met un petit sou. Non, deux. Deux petits sous. Et par rapport à tout ce que les autres hommes riches, femmes riches mettent, Jésus dit que cette somme est plus importante. Il y a une contradiction. Moi, je ne comprends pas comment deux sous puissent valoir plus que 50, 300 billets. Non. En faisant les maths, j'ai bien compris que deux est inférieur à 200. Donc, tu as fait beaucoup de maths, c'est bien ce que je te dis. Alors, explique-moi. Tu fais un rapport, en fait, tu vois. Et là, d'ailleurs, tu fais un rapport mathématique. Bon, malheureusement, on n'a pas les chiffres, donc je ne vais pas pouvoir te montrer. Mais tu sais que si tu fais les fractions, normalement, Dieu, parfois, peut être supérieur à ton truc. Mais bon, bref. Là, au verset 44, on te dit bien, ils ont mis de leur superflu. Et en fait, on est bien en train de te dire qu'en réalité, ils avaient peut-être un 200 sous, comme tu veux dire. Mm-hmm. Mais en fait, ce qu'ils ont mis, c'était ce qu'il y avait en plus, en fait. Hein. Admettons qu'ils ont 150 sous pour vivre, il reste 50 sous juste histoire d'eux. Ils se sont dit, allez, tiens, on peut donner cette petite miette-là, finalement, à Dieu. Par contre, là, ce que l'on te dit, c'est qu'on te dit que ça faisait un quart de sous, finalement. Et on te dit bien qu'elle a mis deux pièces qui représentent, finalement, en fait, les pièces qu'elle avait, c'était son nécessaire pour vivre. Et en fait, elle prend, finalement, j'ai l'impression, pratiquement la moitié de son nécessaire pour vivre pour donner à Dieu. Oui, et puis on voit que la différence, elle est dans l'intention. Ici, on voit clairement une question d'intention, puisque les gens, alors certains emmenaient juste par acquis de conscience. On va dire ça comme ça, par acquis de conscience. Bon, on a dit qu'il faut emmener, j'emmène. Mais j'emmène comment? Ça, c'est important, puisque Dieu aussi regarde au cœur. Il faut regarder qu'est-ce qui motive ce don. Et Jésus était assis là, il analysait les gens. Et il voyait. On n'a pas dit que tous les riches... Attention, on n'a pas dit ça, que tous les riches, effectivement, donnaient de leur superflu. Mais ceux, en tout cas, qui sont venus ce jour-là, OK, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Donc, là, on voit bien que c'est la motivation. Qu'est-ce qui me motive quand je viens emmener, quand je remets ma dîme, quand je viens emmener mes offrandes? Qu'est-ce qui me motive? Est-ce que c'est pour montrer que je peux le faire? Est-ce que je le fais parce que je dois le faire ou est-ce que je le fais parce que j'aime tellement mon Dieu que je veux le remercier pour ce qu'il a fait pour moi? Et ça, c'est important. Tout à fait. Mais on peut se poser la question, est-ce que, je mets ça au chiffre chez nous, normalement 200 euros,
ça vaut beaucoup plus que 2 euros. Mmh. Et je me mets à la place des gestionnaires des communautés. Avec 200 euros, je peux faire plus de choses que 2 euros. Mais lorsqu'on voit ce texte, on a l'impression qu'on peut faire plus de choses avec 2 euros que 200. Dis-toi que si toutes les personnes pauvres mettent 2 euros, d'accord? On rejoint vraiment les 200 exactement. Les pauvres 200 euros qui non, ont mais, été donnés. Mais est-ce que ça veut dire que ceux qui donnent 200 euros doivent arrêter? Non, c'est pas ça. Ah oui, en fait, déjà, je pense qu'on fait fausse route là sur là où tu veux nous emmener. Le but de ce texte, d'accord, est de nous montrer l'intérêt, comme disait Carole, que l'on porte en fait à ce que l'on fait. Et je pense que c'est pour ça que les termes choisis dans ce texte sont aussi forts, parce qu'ils auraient pu dire que les riches ont ramené de l'argent. Ils ont bien dit leur superflu. Et en fait, pour rejoindre ce que disait Carole, quand on dit superflu, ça montre bien que finalement la priorité de ces personnes, c'était juste se faire voir, c'était pas de donner en fait réellement. Et Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est que l'on puisse donner avec notre cœur. Et Dieu, par contre, il a les capacités de multiplier le peu que l'on a donné pour en faire beaucoup. Tout à fait, je comprends largement et je suis d'accord. Mais lorsqu'on regarde ce que Dieu dit dans sa parole, il nous parle d'amener les dîmes et les offrandes dans sa maison. Nous sommes d'accord. Dîmes, 10%. Mais je me pose une question. Au niveau des offrandes, Dieu aurait pu dire 10% aussi. Comme ça, on est OK. Moi, ben, dîmes, je donne 10%. Et offrandes, je mets 10%. Et le reste, je fais ce que je veux avec. Quand on te dit offrande, tu vois bien le terme offrir. Voilà. À partir du moment où tu offres ce que tu veux. Voilà, c'est... Mais oui, cette notion de libéralité, parce qu'on en parlait il y a quelques semaines avec Evie, justement, mais dans cette notion d'offrande, il y a cadeau, cette libéralité, justement, elle ne peut pas être calculée, puisque c'est sans limite, en fait. C'est toi qui décides. On connaît bien l'adage qui dit « quand on aime, on ne compte pas ». Et on est exactement ça quand il s'agit d'offrande. En fait, on doit donner selon l'abondance de notre cœur. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas donné de limite. Parce qu'au niveau de la dîme, elle sert à quoi? On l'a déjà rappelé les semaines précédentes. C'est quoi? C'est juste rappeler qui est-ce qui est aux commandes. C'est une façon, si on peut le résumer comme ça. Avec la dîme, c'est pour que Dieu remette les choses en place. Il remet en quelque part l'homme à sa place. C'est-à-dire, n'oublie pas que c'est grâce à moi, si tu es là, si tu as ça, et si tu peux faire ça. N'oublie pas. C'est vraiment un rappel. C'est une piqûre de rappel. La dîme, c'est une piqûre de rappel. Par contre, les offrandes, c'est notre part que nous faisons. C'est-à-dire, c'est dans cette partie-là que nous démontrons à Dieu à quel point nous l'aimons. Et c'est pour ça que ça doit être quelque chose de motivé par notre sentiment d'amour envers Dieu. Et que ce ne soit pas imposé. Parce que ce qui est imposé en général ne sert pas à développer notre amour. OK. Mais lorsqu'on regarde ce que Dieu dit dans Deutéronome 16, verset 17, je pense que ceci va nous permettre de mieux comprendre ce que Dieu attend de nous. Et il est dit, Deutéronome 16, verset 17, « Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Okay. » Et j'aime bien, et il y a d'autres versions qui disent, « En fonction de ses moyens et à la mesure des bienfaits que le Seigneur aura accordés. » Donc, il y a deux aspects là qu'on va apparaître dans les offrandes. C'est selon ce que Dieu m'a donné, c'est-à-dire mes revenus, mais apparaît un deuxième aspect, et c'est là qu'il donne l'explication, c'est pour ça que Dieu n'a pas imposé un pourcentage exact. Deuxième aspect, selon la mesure des bienfaits que le Seigneur aura accordés. La question, est-ce que Dieu nous accorde certains bienfaits? Des bienfaits, il nous accorde des bienfaits. Il n'y a pas certains. Tous les bienfaits que l'on a, c'est Dieu qui les accorde selon son mouvement. Donc, si je comprends bien, si j'ai compris que Dieu fait de bonnes choses pour moi, intervient dans ma vie, automatiquement, est-ce que cela doit se ressentir au niveau de mon portefeuille dans les dons que je fais?
Oui, bah oui, c'est ça devrait vraiment. Non, mais ça aurait pu être simple, dire merci Seigneur pour tes bienfaits. Amen. Et puis... Mais écoute, non, mais attends, on va prendre un cas qui est bien simple. Quand c'est ton anniversaire, tu es con, on va te dire joyeux anniversaire. C'est bien, ça peut s'arrêter là. Merci. Tu vas te dire, quand même, si elle manque un petit peu. J'ai un bonbon à la main. Je serais content, un tas de joyeux anniversaire, libre. Dieu, c'est pareil, en fait. Oui. Et tu sais, là où il faut être vigilant, parce qu'on a souvent tendance à penser qu'il nous faut attendre de voir de grosses bénédictions pour remercier Dieu. Mm. Mais il faut qu'on se rappelle que les choses les plus évidentes de la vie, comme respirer, c'est une bénédiction de Dieu, en fait. Donc, finalement, notre être entier est déjà une bénédiction de Dieu. Donc, rien qu'avec ça, on a déjà une raison d'offrir quelque chose à Dieu. En sachant que quel que soit le montant que ce que l'on mettra, ne va jamais surpasser la valeur de notre offrande. Et la valeur de l'amour de Dieu. Exactement. Non plus. Et aussi, c'est bien beau de dire, oui, je t'aime, mais quand on dit je t'aime, il faut bien... des actes. Enfin, j'imagine dans une relation, par exemple, voilà, l'homme qui dit à la femme, ou bien la femme qui dit à l'homme tout le temps, je t'aime. On ne se touche jamais, jamais un petit bisou, un petit câlin. Je suis désolée. Il n'y a rien, on ne va pas préparer. Mais qu'est-ce qui montre que tu aimes la personne, finalement? Voilà, qu'est-ce qui montre, qu'est-ce qui démontre. Ah, c'est tout, tu as dit un terme, je t'aime. Sans action. Mais ça, tu sais, c'est une phrase que l'on répète. Je t'aime, c'est juste une phrase. Voilà, c'est juste une phrase. Mais justement, pour corroborer ce qu'on dit, il faut. Donc, si je comprends bien, si je dis à tout le monde j'aime Dieu, ça ne peut pas s'arrêter seulement à mes mots. Non. Non. Il faut observer ses commandements. D'ailleurs, il le dit, hein, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, il y a quelque chose à faire. Alors, lorsque je prends Jean 3, verset 16, qui dit que Dieu aime tout le monde, n'est-ce pas? C'est bien ce qu'il dit, le texte et tout ça. Et tu vois, comme il aime, il a donné. Son fils unique. Oui, tout à fait. Ouais, donc, il a donné. Oui, il a donné, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Mais comment expliquer sa relation spéciale de Dieu envers ceux qui donnent avec joie? Quand tu dis relation spéciale. Attends. Tu veux dire qu'on a une double bénédiction? Oui, oui, alors qu'il aime tout le monde. Est-ce que je pourrais dire que Dieu est-il vraiment impartial? Une question. Est-ce que ça va conditionner ce que tu vas donner à Dieu? Non, mais... Très bonne question. Non, Dieu, effectivement, est impartial, mais il est normal, parce qu'il dit bien, apportez dans la maison les 10 000 les offrandes, et vous verrez si je ne vois pas pour vous les accuser. Oui, non, attends. C'est normal. Ça veut dire que Dieu aime tout le monde, mais ceux qui donnent... je résume, hein, ceux qui donnent de bon cœur au fond de tout ça vont avoir plus de bénédictions que ceux qui ne donnent pas, alors que Dieu aime tout le monde. Attends. Non, mais soyons clairs. C'est comme un investissement. Je suis désolée. Quand on a, quand on dépose une épargne, d'accord, plus tu vas déposer sur l'épargne et plus tu feras des intérêts. C'est bien ça l'idée. D'accord, oui. Donc, c'est pareil. Pourquoi avec Dieu, c'est pareil. Moi, ça ne me choque pas cette idée, puisque c'est normal. Plus je vais aimer Dieu, forcément, plus je vais ressentir ses bénédictions envers moi. C'est ça l'idée. Quand on dit que Dieu accorde des bénédictions, ce n'est pas des choses forcément concrètes, etc. C'est que le plaisir qu'on aura à passer ce temps avec Dieu, à avoir cette relation avec Dieu, ce sera tellement formidable que ce sont les autres qui voient que nous avons des bénédictions. Parce que nous-mêmes, on se sent tellement bien, on se sent tellement heureux, on est tellement ravis d'être là, d'être en vie, qu'on a cette façon de fonctionner qui fait qu'on transpire vraiment. On donne l'impression qu'on est abondamment... Et c'est vrai oui, que... Non, mais tu vois, c'est vrai que ta question me met un peu mal à l'aise parce que finalement, après tout ce que nous avons dit, on est en train de dire que quand on donne avec joie et on donne selon le bon vouloir. Mmh. On a répété la semaine dernière, du moins la notion précédente encore, que quand on donne sans rien attendre en retour. Donc, en fait, finalement, on ne devrait pas se poser la question de est-ce que celui qui a donné plus aura plus de bénédictions. Cette question n'a pas lieu d'être, désolé pour toi, parce que quand tu ne donnes pas pour avoir des bénédictions de Dieu. Donc, si je comprends bien, si on t'écoute bien, la théologie en notant, la théologie en quelque sorte de la prospérité, est que plus on donne, plus on reçoit, est
est-ce qu'elle est vraiment réelle ou pas? Alors, dans le monde actuel, j'ai envie de te dire, oui, entre autres, elle est réelle. Hein. Plus tu vas mettre de l'argent sur ton compte épargne, effectivement, plus ça va gonfler, d'accord? Plus ton patrimoine sera important. Par contre, Dieu, ce n'est pas son problème, en fait. Lui, il ne se préoccupe pas de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu donnes seulement tes moyens et avec ton cœur. Et voilà, parce que en fait, il faut qu'on soit clair, parce que c'est vrai qu'on a pris l'exemple de l'épargne, tout ça. Attention, Dieu ne nous bénit pas en fonction de ce qu'on donne. D'accord? Il nous bénit en fonction de ce que nous avons besoin. Ça, c'est un point très important. Parce que si on fait confiance à Dieu, forcément, comme on dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, si je fais confiance à Dieu, c'est que je pense que Dieu a ma vie entre ses mains. Donc, il contrôle toutes choses. Il me donnera forcément ce dont j'ai besoin. Alors, et il me donnera, parce qu'on a vu dans des semaines précédentes, que quand on a, ce n'est pas forcément pour nous. Si on vit, si on a beaucoup de choses, l'Éternel nous donne des choses pour partager, pour pouvoir transmettre. C'est toujours dans un but de faire connaître Dieu à l'autre. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas pour nous. Hein. Ce n'est pas pour qu'on puisse engranger des choses. On s'amasse plein de choses et puis voilà. Non, ce n'est pas pour développer un certain égoïsme. Au contraire, c'est pour toujours révéler la bonté de Dieu qu'on nous donne. Donc, l'Éternel donne en fonction du message qu'il veut faire passer à travers nous. Et ça, je pense que c'est un point qu'on doit retenir. Ce n'est pas une question de donnant, donnant, comme tu dis. C'est une question de Dieu sait à qui il donne, pourquoi il donne, d'accord? Et nous qui avons, justement, nous qui recevons, nous devons transmettre. Tout à fait. Nous ne recevons pas pour garder pour nous. Donc, ce n'est même pas une question, comme elle disait tout à l'heure, ce n'est pas une question de je donne, j'aurai plein de bénédictions, etc. C'est quand j'ai des bénédictions, qu'est-ce que je fais avec Tout à ça? fait. Parce que n'oublions pas que Dieu, c'est lui qui juge et il connaît le cœur de chacun. Ce Exactement. n'est pas parce que je donne une grosse somme On ne peut pas tromper Dieu, en on ne peut fait. pas tromper C'est comme Dieu. ça que ça marche. Je peux donner une grosse somme, c'est-à-dire je vais donner de l'argent pour l'évangélisation, je vais donner de l'argent pour que l'église soit bien entretenue, une église prospère, mais dans quel but je le fais? Est-ce que je le fais dans le but que les membres d'église me voient bien et quand j'arrive, on me donne la première place, les meilleures places à l'église? Ou est-ce que je le fais parce que je veux que l'œuvre avance? Et puis même en fait, j'ai envie de te dire, quand bien même l'œuvre avancerait par ces biens intéressés que tu as donnés, parce que oui, ils Il vont faut. servir de toutes les manières, ces biens, puisque tu les as donnés, ils vont servir. Quand bien même en fait cela se ferait, Mais ton cœur. Dieu par contre connaît en fait nos Ton cœur. motivations personnelles. Et c'est là en fait que l'on fait fausse route. Oui, on peut donner, on peut penser que l'on va tromper les autres, que oui, on a un Ah machin. ben oui. Mais en fait, on ne trompe pas Dieu. Tout à Et fait. Dieu, en fait, il préfère 1000 fois qu'on ne donne rien, d'accord? Quitte à ce que finalement, certaines choses prennent plus de temps à se mettre en place dans les églises, qu'on donne en fait juste parce qu'on se dit, bon, mais en fait, j'ai besoin de construire ma grosse maison, donc si je donne beaucoup d'offrandes là, Dieu va me bénir et j'aurai enfin ma grosse maison. C'est pas ce que Dieu veut. Et de la même manière, comme disait Carole, l'utilisation aussi des bénédictions est très importante. Si en fait tu as demandé à Dieu une voiture et que en fait il t'a béni en donnant une voiture, et que par la suite, quand on te demande, écoute, est-ce que tu peux faire du covoiturage? Non, écoute, ma voiture, c'est pour moi seule. Là aussi, on a un problème. Tout à fait. C'est ça. Donc, il est important que nous puissions diriger nos offrandes dans, comme on avait vu il y a 15 jours de ça, dans l'entrepôt, là, c'est-à-dire dans l'église, là où Dieu souhaite que chacun remette ses offrandes. Parce qu'il y a un objectif. Oui, et l'objectif, c'est quoi? Faire avancer son connaître, nom. Mais oui, c'est faire connaître aux autres que Dieu existe. Dieu t'a bien dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc, Mais il oui. faut Tout à bien fait. des moyens financiers pour aller faire de Tout toutes à les fait, nations oui. les disciples Puisque de nos jours. nous avons vu que la dîme permet de payer les prédicateurs, les pasteurs, ceux qui vivent de l'Évangile, mais s'il n'y a pas d'offrande, Ah dans ben quel si. lieu, Mais dans s'il n'y quel a pas lieu... d'offrande, même au-delà du lieu, maintenant, on est très technologique. Comment tu veux avoir, ne serait-ce qu'un abonnement Zoom pour pouvoir partager la parole? Nous sommes Comment d'accord. tu veux avoir du matériel pour Mais faire une diffusion sur YouTube? non, oui, et je dirais même en allant dans l'église,
qui va payer l'électricité. Mais tout à fait. Oui, le micro qu'on entend, le son. Voilà. On rappelle quand même que ce sont des choses qui se payent. Oui, voilà. Et tout ça fait partie de l'évangélisation. Parce qu'on pense évangélisation uniquement baptême, prédication. Non, mais avant, il y a tous ces aspects. Il y a toute une logistique mise en place pour pouvoir. Et il faut. Et lorsque j'ai compris ça, il faut que je remette mon offrande dans l'autre pot. C'est pas dire que je vais dire, ah non, mais je vais. Mon offrande, ah non, je vais aller dans tel séminaire, c'est mieux ce séminaire-là, diriger pour... Mais en fait, il faut se rappeler que l'Église, c'est une maison. Mm-hmm. Et comme notre maison, où dans le monde actuel, on aura les taxes foncières à payer, on a les impôts, on a l'eau, il faut nettoyer, et donc il faut acheter de quoi nettoyer, ben en fait... L'église, c'est une maison commune. Oui. Et donc, en fait, si personne ne donne, ben, notre maison, elle peut juste pas exister, en fait. Ouais. Elle peut pas tenir la route. Donc, il faut bien, comme tu dis, ramener à notre pot, de la même manière qu'on va établir notre budget pour la maison, hein, notre maison dans notre foyer, ben, en fait, il faut faire pareil et il faut qu'on puisse intégrer à notre budget personnel ben, un budget pour notre maison commune. Alors, j'ai une question. Pensez-vous qu'à un moment, il ne puisse avoir aucune offrande et que l'œuvre s'arrête? Ah non! Non. Alors, moi, je pense... C'est l'œuvre de Dieu. Exactement. Je pense que, de toutes les manières, Dieu, il est tout puissant. Ah bon? Quelles que soient, en fait, les difficultés financières qu'il y aura, Dieu mettra toujours les moyens qu'il faut à notre disposition, en tout cas à la disposition des personnes qui sont prêtes à faire avancer son œuvre, ce qu'il faut pour faire avancer son œuvre. Par contre, c'est sûr que nous, par contre, à notre niveau, qu'est-ce que l'on en a fait de la mission que Dieu nous a donnée? Oui, parce que l'œuvre de Dieu, alors c'est ça, il ne faut pas se tromper de cible. L'œuvre de Dieu, elle va continuer toujours avec ou sans nous. Plaise à Dieu que ce soit avec nous. Mais l'Éternel mettra toujours de quoi continuer son œuvre. Ça, il n'y a pas de... Et souvent, malheureusement, ce sont les hommes qui mettent frein, justement, à cette évolution, en faisant croire que, oui, l'argent est plus important que la mission. Or, non. La mission est plus importante que l'argent. Parce que lorsque nous mettons le pied à l'étrier, l'Éternel donne les moyens. Mmh. Et ça, dans plusieurs histoires de la Bible, on l'a vu. Hein. Mmh. On l'a vu dans plusieurs histoires de la Bible que c'est en allant de l'avant, l'Éternel dit d'aller, va, et il donne les moyens. Donc, attention à ne pas être justement des obstacles inutiles à cette mission. Mais des fois, dans notre fonctionnement, est-ce qu'on n'a pas l'impression, je dirais, de ne pas appliquer vraiment ce que Dieu dit? Nous voulons évangéliser, nous voulons accomplir de grandes choses. Et lorsque nous mettons les projets en place, on regarde le budget, le montant, et puis on se dit, bon, bah, mais non, on n'a pas, on ne va pas faire. On va reporter à l'année prochaine en attendant d'avoir. Le problème, ce n'est même pas ça, en fait, finalement, on va reporter. Le problème, c'est la conception déjà des projets. Souvent, on a les yeux plus gros que la tête. Mais en fait, même pas pour le Seigneur. Mmh. On les a juste pour notre plaisir personnel de se dire, eh ben ouais, les gars, j'ai monté tel gros effort d'évangélisation. Regardez ça. Regardez. Non, mais en fait, c'est pas ça. Dieu, ce qu'il veut, c'est que l'on puisse concevoir des projets, en fait, qui vont réellement aller à sa cause. Et en fait, avec un cœur sincère. Cette histoire de se dire, je vais monter un effort d'évangélisation, il faudra tant d'argent parce que, en fait, je veux le gros painting et puis je veux le gros podium avec les jeux de couleurs. En fait, Dieu, c'est pas ce qu'il nous demande. Hein. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse ramener des âmes à lui et d'ailleurs de la manière la plus simple possible. Tout à fait. Et surtout, parce qu'en passant par l'illusion, on se rend compte bien, bien souvent que la désillusion n'est pas très loin quelques semaines, je n'ai même pas moi quelques semaines plus tard. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que l'erreur aussi, je le dis tout le temps, c'est qu'on veut malheureusement ramener Dieu à nous. On veut gérer les affaires de Dieu comme notre porte-monnaie personnelle. Or, notre porte-monnaie personnelle ne vaudra jamais le porte-monnaie de Dieu. Okay. Et c'est ça le problème. À partir du moment où on a un problème de vision et on veut ramener Dieu à notre cerveau, nos neurones, là, c'est plus possible. Et forcément, ça crée un frein.
puisque en tant qu'être humain, on ne verra jamais l'étendue des possibilités, du champ des possibilités. Je termine. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que l'Éternel nous dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. L'Éternel n'agit pas comme nous. Nous, nous sommes des hommes. Et c'est pour ça qu'il est important de nous laisser diriger par Dieu, parce que c'est lui qui vraiment nous distille cette vision-là, qu'il a pour nous. Mais nous devons nous laisser mener par lui. Pourquoi ? Parce que quand on a une vision, d'après ce que Dieu nous demande, inspiré par l'Esprit Saint, on fait beaucoup de choses. Mais quand on reste dans notre petit cocon, ah oui, mais on n'aura jamais d'argent pour faire des choses. Parce que j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi, finalement, au risque de te piquer. Oui. Finalement, à l'église, d'accord, dans nos églises, quand on décide qu'il y aura, qu'on veut évangéliser, qui est-ce qui commence par prier Dieu pour demander à Dieu conseil sur qu'est-ce qu'on devrait mettre en place pour évangéliser, tu vois? En réalité, on arrive souvent, on fait notre petit comité, bon, voilà. Les gars, et surtout, on fait toujours les mêmes choses. Je pense qu'on devrait faire un effort de telle et telle manière. Et ensuite, on va prier Dieu, Seigneur, bénis ce projet que tu nous permets de mettre en œuvre. Alors, j'ai une question. Mm-hmm. Est-ce que l'aspect extérieur, intérieur de l'Église, c'est-à-dire l'entretien, peinture, etc., fait partie de l'évangélisation? Mais bien sûr. Alors, non, mais attends. toi aussi, tu vois une église, d'accord, délabrée, la peinture n'est pas bien faite, tu rentres dans les toilettes, on dirait des toilettes des années 60, à la limite, on se croirait dans un cimetière dans l'église, tu as envie d'entrer là? Et puis surtout... Et puis tu vas te dire, ouais, c'est réellement Dieu qui sont en train de mettre. Merci, voilà. Parce que, tu sais, j'ai envie de te dire, on est en train de parler comme ça. Je passerai un état de nos églises et ce qu'il est, mais regarde les églises catholiques. Juste un instant, tu n'as pas une église catholique qui soit délabrée. Et d'ailleurs, ce sont des monuments le plus souvent historiques de par leur architecture, mais les églises, elles sont propres. Tu n'as pas une poussière, tu as personne qui râle pour aller nettoyer les églises, d'accord? Le travail est fait correctement. Ça brille, est-ce qu'on pourrait dire qu'une église où on voit des fissures, où on voit qu'elle n'est pas entretenue, tout ça, ça veut dire que les membres ne sont pas dans le plan de l'offre? Déjà, l'objectif n'est pas clair. Le truc, c'est que l'objectif annoncé n'est pas clair. Parce que comment on fait pour prôner, pour aller dire aux gens que nous servons un Dieu grand, miséricordieux, et qu'il y a des fissures puissantes, etc. On a des éloges, quoi, mais nous sommes élogieux. On est vraiment dithyrambique. On a tellement de choses à dire sur notre Dieu. Et puis, et puis même, tu vas aux fissures, mais restons un truc plus proche, plus banal que des fissures. Tu es en train de dire que je suis un Dieu d'ordre, qui aime l'adoration. Mais l'adoration, j'ai envie de dire, ça passe aussi par le ménage. Donc, comment ça se fait, hein? D'accord, tu vas secouer le petit rideau, la vie de plein de poussière. Mais il y a un problème, en fait. C'est important. Donc, en fait, je pense qu'il faut... C'est pas une question de oui, est-ce que les offrandes, machin ou autre, mais c'est vraiment quel est notre but. Et si on prend en considération qu'effectivement, de la même manière que l'on dit que Dieu habite dans le temple, Dieu doit pouvoir habiter dans un lieu qui est correct et en sécurité. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas le montant, la somme importante des offrandes qui détermine les choses, c'est-à-dire la vision que nous aurons vis-à-vis de l'évangélisation. Donc, si j'ai compris que l'église, bâtiment, fait partie de l'évangélisation, il doit être bien entretenu, et que je veux amener des âmes à Christ, dans mon système de proclamation évangélique, ça va passer par un bâtiment correct, propre, parce que je souhaite aussi évangéliser. Et j'ai envie de te dire, et même avant tous ces efforts d'évangélisation. D'accord. Donc, j'ai une dernière question, puisque nous arrivons déjà à la fin. Qui reçoit sans préparer le couvert, etc. Tout à fait, c'est très important. Et des fois, on oublie cet aspect des choses. Dernière question. Lequel des deux exige, c'est-à-dire dîme et offrande, un plus grand engagement et une plus grande soumission? Le versement de la dîme ou le versement des offrandes régulières systématiques?
Les deux. Les deux, hein. Les deux. En fait, il ne faut juste pas confondre. Ce sont deux objectifs finalement différents. On rappelle que la dîme, c'est une institution qui a été mise par Dieu. Dieu nous demande de le faire. C'est un acte, voilà, c'est un acte d'obéissance. Les offrandes et la dîme, c'est juste que c'est quantifié finalement parce que Dieu te dit clairement, je veux 10%. Par contre, les offrandes, là aussi, Dieu te demande, selon ton bon vouloir et selon ce que tu as compris de ta relation avec lui et l'amour que tu lui portes, d'être généreux et d'apporter des offrandes. Si j'ai compris vraiment le plan de Dieu, que la dîme, que les offrandes sont sous le même point d'égalité. Oui, le même point d'égalité. Juste que, au niveau de la motivation. Voilà, au niveau de la motivation, c'est la même chose. Mais par contre, que l'on soit clair, ce sont deux choses différentes. Ce sont deux, finalement, si tu veux, deux commandements, entre autres, différents. Et aussi deux sommes d'argent qui vont servir à des choses différentes dans notre institution. C'est-à-dire qu'il y a le même objectif. Mais qui ont le même objectif. Parce que l'objectif commun, c'est toujours la mission. Tout à fait. C'est toujours un même objectif, mais en quelque sorte, si on favorise l'un ou l'autre, on met en difficulté la mission. Donc si nous voulons remplir pleinement la mission que Dieu nous donne, il est important que nous soyons fidèles dans les dîmes et les offrandes. Exactement. Il faut que notre balance, elle soit équilibrée, en fait. Tout à fait. Il y a le même poids de part et d'autre. Et équitable. Et ça, c'est quelque chose de très important que nous comprenons. Donc, aujourd'hui, sommes-nous prêts vraiment à voir la vision, pas notre vision, la vision de Dieu? C'était votre émission, Coffre aux idées.